Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept, d'une idée qui peut vraiment changer les choses. Vous savez, on en a parlé il y a quelques temps, il y a plusieurs vidéos où je vous disais que, c'est même pas que je vous disais, c'est que la science nous dit que la première étape pour devenir une nouvelle personne, pour changer, c'est d'avoir une nouvelle idée qui va modifier nos croyances. Et donc c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, une nouvelle idée, un état d'esprit, parce que je crois qu'il y a vraiment deux choses. Les choses principales qui vont nous aider à créer la vie qu'on veut, à atteindre nos objectifs, c'est premièrement des nouveaux états d'esprit, des nouvelles idées qui modifient nos croyances et évidemment le passage à l'action. Donc on va parler de ça dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer clairement et je vous donnerai aussi quelque chose qui va vous permettre de tout de suite, immédiatement passer à l'action et de mettre en pratique ça. Alors ce concept, c'est ce que j'appelle... En fait, on en a un petit peu parlé hier aussi, c'est d'admettre la difficulté. Vous savez, la progression quand on veut atteindre n'importe quel objectif se fait en escalier. C'est-à-dire que ce n'est pas une progression qui est même pas en courbe comme ça, c'est une progression qui est tac, tac, on monte, puis tac, tac, tac. Donc typiquement, plateau, progression, ça peut arriver dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que des fois, on commence et on commence par progresser, puis plateau, etc., etc. Sauf que très rapidement et souvent quand on est au niveau débutant, on tombe sur un grand plateau et ce plateau, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle en général, hein, c'est pas breveté par moi, la traversée du désert. Et souvent, cette traversée du désert, elle empêche les gens justement de passer le premier plateau et de commencer à avoir des résultats et de pouvoir avancer vers l'objectif. Et ce que je voudrais vous dire en fait, et moi le concept qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est d'admettre la difficulté et de se dire « Ok, je vais faire cette traversée du désert ». Parce que vous savez, enfin, on a toujours quelque chose au fond de nous, on se dit, ce truc-là, je sais qu'il va falloir que je m'y colle. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'y colle. Moi, si je prends mon exemple, il y a quelques années en arrière, ben voilà, ça me rendait vraiment mal à l'aise de ne pas être capable de parler à des filles, quoi. Limite, ça me rendait fou parce que je me disais, à ce moment-là, enfin, il y avait le film 40 ans toujours puceau qui était sorti et je regardais ce film-là et je regardais des reportages comme ça et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je vais avoir 30 ans, 40 ans et voilà, je serai toujours puceau. Et quand on est adolescent, ben, c'est un truc qui, voilà, même si on n'en parle pas, mais c'est un truc qui nous travaille vraiment. Et donc, je me disais, il va falloir que je le fasse. Il faut pas que je sois un donjon, il faut pas que je sois un séducteur. Il faut moins que je sois capable d'adresser la parole à une fille et de l'inviter à un rendez-vous parce que sinon, ça va être compliqué. Il y avait aussi le fait que j'étais extrêmement mince, que je pesais 25 kilos de moins que maintenant. Et là aussi, je me disais, on pouvait me dire, oui, c'est superficiel, blabla, mais non, mais ça m'obsédait au quotidien. Je me disais, il va falloir que je le fasse, il va falloir que je m'y mette à un moment ou un autre. Et donc, ce concept de la traversée du désert, d'admettre la difficulté et de faire cette traversée du désert, c'est juste de se dire à un moment, ok, si j'arrêtais de me rendre fou avec ça, si j'arrêtais de me dire que je le ferai plus tard, que je vais me préparer, que j'ai du temps, tout ce genre de choses, ou de reporter continuellement, ou de, comme je vous disais, de me préparer continuellement à peut-être un jour le faire, à déplacer toujours, vous savez, on se dit « Ah ouais, bah, je le ferai dans 3 mois, dans 6 mois ». Et au final, les 3 mois, 6 mois, bah, ils avancent au fur et à mesure qu'on avance. C'est un petit peu comme l'horizon. J'adore ce concept de l'horizon parce que l'horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Bah, pour beaucoup de gens, les objectifs, le moment où on va commencer à le faire, il est à l'horizon. Sauf que bah, ça avance au fur et à mesure qu'eux aussi, ils avancent et donc on ne commence jamais à le faire. Donc, se retrousser les manches, et se dire, ok, pendant les 90 prochains jours, et j'aime bien cette durée des 90 prochains jours parce que c'est long suffisamment, mais pas trop non plus. Et en 90 jours, on peut faire énormément de choses. Se dire, ok, pendant ces 90 prochains jours, je vais prendre deux domaines. Deux domaines, c'est bien. Et je vais faire cette traversée du désert. Je vais faire cette putain de traversée du désert. Désolé d'être vulgaire, mais je vais en chier un bon coup. Ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. Je sais qu'au quotidien, je vais me lever et j'aurai de la résistance. Ça va être compliqué. Il y a des fois où je serai démotivé. Il y a des fois où j'aurai même envie de pleurer. Mais je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Je vais arrêter de reporter encore et toujours parce que je sais que ça peut changer profondément les choses dans ma vie. Et ça ne sera pas facile. Je sais même que ça va être difficile. Je sais même que ça va être très difficile. Mais si je le faisais, comment serait ma vie si enfin je faisais ça? Comment serait ma vie si enfin je me mettais à la création de contenu? Si enfin je réussissais à générer un revenu complémentaire? Si enfin je trouvais un boulot qui me plaisait vraiment? Comment serait ma vie si je trouvais une personne à qui j'étais vraiment connecté? Si j'arrivais à être plus à l'aise socialement? Si je prenais soin de mon corps? Si j'arrivais à accomplir ce projet que je veux vraiment accomplir? Et ce concept, il me donne de l'espoir en fait. Il me donne beaucoup d'espoir parce que je trouve ça génial de se dire « Ok, j'arrête de me préparer. » C'est difficile, j'en chie pendant 3 mois. Vraiment, pendant 3 mois, c'est difficile. Je le sais à l'avance. Je sais que pendant 3 mois, ça va être difficile.
Mais une fois que c'est fait, alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça ne veut pas dire qu'après je suis tranquille sur mon île et je ne vais plus jamais rien faire, non. Mais j'ai passé enfin ce cap. J'ai enfin passé ce cap auquel je pensais, je me disais, il faut que je le fasse, et je reporte, je ne le fais pas, ou je le fais un petit peu, puis j'arrête, puis je commence, puis j'arrête. Non, je le fais et je passe ce cap. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous notiez dans les trois domaines principaux, typiquement où il y a des objectifs, en tout cas moi c'est comme ça que je les classe. Premier domaine, c'est les relations sociales, c'est-à-dire comment je fais pour avoir des relations sociales épanouies, donc ça va des amis, la famille, relations de couple évidemment. Deuxième domaine, évidemment le fait d'être à l'aise socialement. Deuxième domaine, c'est l'argent. Ok, l'argent, comment je fais pour enfin maîtriser cette énergie de l'argent, comment j'arrête de faire un boulot que je déteste, comment je fais pour avoir plus d'argent si j'ai envie d'avoir plus d'argent. Et troisième domaine, c'est les accomplissements. Donc ça peut être apprendre une langue, apprendre un instrument de musique, je sais pas, faire un voyage, enfin faire quelque chose vraiment où on recule et voilà, on va se mettre à le faire. Donc listez finalement dans ces trois domaines, c'est les trois domaines principaux, vous verrez, vous pouvez tout relier à ça, relations sociales, argent, carrière et les accomplissements. Listez vraiment ces choses que vous voudriez faire et vous en sélectionnez deux, les deux choses où vous dites, ok, ces deux choses-là, ça fait un moment que ça me gonfle, ça fait un moment que ça me pourrit la vie, ça fait un moment que je reporte. Donc ça suffit, je prends la résolution maintenant de le faire pendant ces trois prochains mois. Je le fais. Et je passe ce cap. Et après, je suis fier de moi. Et après, voilà, on n'en parle plus. Et je trouve que c'est un concept qui change la vie parce qu'il y a tellement de gens, et j'en ai fait partie pendant longtemps, qui se pourrissent la vie alors qu'il y a ce truc à faire qui finalement ne prendrait pas tant de temps que ça. Mais voilà, on sait que ça va être difficile et on ne le fait pas. Alors, moi, je vous propose l'inverse. C'est de prendre cette résolution, de dire, ok, oui, ça va être difficile, oui, je le sais, et je le fais. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous voulez prendre cette résolution ou pas. Moi, j'ai décidé de sortir un pack de formation justement pour vous aider tout de suite maintenant, pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant un mois, tout de suite maintenant. Il s'appelle justement le pack résolution. Donc, c'est un pack qui sera disponible tout le temps, sauf qu'il sera disponible à 599 €. Et pour les 3 ou 4 prochains jours, je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas encore décidé au moment où je tourne cette vidéo, mais pour les 3 ou 4 prochains jours, il va être à 99 €. C'est-à-dire qu'il va y avoir 500 € de réduction sur ce pack résolution. Donc l'idée de ce pack résolution, c'est justement, c'est ça qui est important, c'est de se dire, ok, je vais avoir une méthode. Parce que c'est très bien de se dire, ok, pendant 90 jours, je vais me donner à fond, mais si je me donne à fond dans le vide, ben, c'est moins bien. Alors autant se dire, ok, ça va être difficile, mais je vais avoir directement, je vais prendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Je vais faire du modeling directement pour pouvoir avoir la méthode et ensuite passer massivement à l'action pendant ces 90 prochains jours. Donc c'est pour ça que ce pack résolution, je l'ai designé spécifiquement. Donc c'est un grand pack, c'est vraiment un pack exceptionnel. Il y a 8 formations et dans ces 8 formations, vous allez justement retrouver des formations qui couvrent les 3 grands domaines que je vous ai énoncés, c'est-à-dire l'argent, les relations sociales et l'accomplissement. L'accomplissement, typiquement, c'est comment prendre le contrôle de ses journées. J'ai envie de faire ça justement à la fois pour ceux qui se disent « Ok, je le fais maintenant, je prends cette résolution et je me donne à fond pendant les 90 prochains jours », aussi pour permettre aux gens qui ont moins de moyens d'accéder directement à pas mal de formations. Donc évidemment, c'est des formations qui sont un petit peu plus anciennes, mais c'est des formations qui apportent beaucoup, beaucoup de valeur. J'ai fait une sélection de formations en excluant simplement les dernières formations qui sont sorties tout simplement pour une optique de justice par rapport à ceux qui achètent les dernières formations parce que sinon ça n'a plus de sens. Alors dans ce pack résolution, je vais sortir justement le pack en fait puisque je l'ai préparé, je viens de le préparer. Donc sinon je retiendrai pas toutes les formations qu'il y a dedans. La première formation, c'est la formation habitude facile, donc comment le parcours 30 jours précisément pour créer le plus rapidement possible une habitude. Donc une habitude, ça prend plus de 30 jours à ancrer, mais là c'est vraiment les 30 premiers jours critiques et je vous donnerai aussi à la fin comment gérer les 50 jours suivants. La deuxième formation, c'est la formation booster ses journées. Donc comment mettre en place un système d'habitude pour atteindre ses objectifs, comment faire évoluer ce système d'habitude et aussi les principales habitudes fondations que vous devez mettre en place dans votre vie qui vous permettront justement de vous faciliter la vie au quotidien. Troisième formation, c'est la formation mission de vie, comment trouver ses passions, comment trouver ses talents et comment finalement rentrer dans ce cercle de la mission de vie. Donc cette formation, j'aime beaucoup parce que à la fois ça permet vraiment de trouver ses forces et aussi trouver ses passions, mais de la bonne façon. C'est-à-dire que souvent, la passion, une vision de la passion qui n'est pas tout à fait la bonne. Et donc moi, je vous donne vraiment ma méthode pour trouver ses passions. La quatrième formation, c'est la formation devenir charismatique. Donc le charisme, j'aime beaucoup ça parce que c'est en fait l'idée, c'est comment je deviens unique.
comment j'attire les autres vers moi. Plutôt que de vouloir faire comme tout le monde, plutôt que vouloir justement faire ce qu'il ne faut pas faire, rentrer dans la masse, comment je pars avec ce que j'ai, je développe ce que j'ai pour créer mon charisme, créer cette énergie du charisme, créer ce magnétisme qui va faire que les autres vont être attirés par moi. Cinquième formation, c'est la formation matin efficace, comment créer une routine matinale. Et dans cette formation, elle est spéciale parce qu'en fait, c'est une formation où je fais la routine matinale en live et je vous montre en live pendant une heure, donc dans le module numéro 2, pendant une heure, je me filme pendant que je fais ma routine matinale et je vous montre exactement comment faire. La sixième formation, c'est la formation business minimaliste, comment vivre de son contenu et gagner sa liberté financière sans se prendre la tête en suroptimisation marketing et en technique, en faisant les choses vraiment simplement. La septième formation, c'est la formation argent pratique, comment gérer son budget le plus efficacement possible. Et en fait, justement, c'est comment ne plus faire de budget et comment faire différemment pour gérer son argent, investir son argent, générer des revenus complémentaires aussi. Et la dernière formation, la huitième formation, c'est la formation motivation infinie. Donc c'est une formation spéciale, la formation motivation infinie. C'est une formation à écouter chaque matin. En fait, c'est une formation audio et justement pour, on peut l'écouter plusieurs fois. Elle est sur 14 audios et c'est ça qui est, c'est ça que j'ai voulu faire en faisant cette formation, pouvoir l'écouter chaque matin et chaque matin justement avoir. Et bon, je l'ai appelé motivation infinie, mais c'est pour moi c'est pas vraiment de la motivation. C'est comment développer son feu au quotidien et c'est un module par matin, un audio chaque matin à écouter et qu'on peut écouter facilement sans problème 3-4 fois. C'est-à-dire que cette formation, typiquement pendant 2 mois, vous pouvez vraiment écouter chaque matin un audio et voilà, avoir l'énergie, développer votre flamme au quotidien. Voilà pour ce pack. Donc vous voyez, c'est un pack assez dense, même un pack très dense. C'est le plus grand pack que j'ai jamais fait. Donc il est valable pour les 3-4 prochains jours avec ce tarif de 99€. De toute façon, vous avez tout le détail avec le lien dans la description ou sur la fiche ici. Prenez la résolution, faites cette traversée du désert une bonne fois pour toutes et vous verrez qu'ensuite, après seulement 90 jours, votre vie, elle aura changé. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.